Bonjour à tous, je suis Bertrand Chevalier-Champy, auteur du livre « Accomplir sa vie d'homme » paru aux éditions Arthez cette année, en 2022, et sous-titré « Donner naissance, vivre et bénir ». Voilà, je suis donc marié depuis 25 ans. Nous avons avec mon épouse vécu et traversé des épreuves que sont la maladie et bien la crise de couple, comme c'est malheureusement répandu. Et nous avons eu la chance d'en sortir victorieux. J'ai 3 enfants et je suis également coach professionnel, où j'accompagne des hommes et des femmes au niveau professionnel. Je suis également délégué général de l'association Au cœur des hommes, qui organise des stages pour les hommes ou des week-ends père-fils, destiné à renforcer la confiance en soi et à partager de la perspective du cœur de l'homme, de ses défis, de ses désirs et de ses appels. Donc ce sont des expériences très fortes qui m'ont permis d'approfondir ma réflexion autour de la question masculine sans trouver de livre suffisamment consistant. Donc je l'ai écrit. Voilà, et c'est le fruit de cette réflexion, de cette expérience au cœur des hommes, en plus de recherches philosophiques, anthropologiques, psychologiques également, donc vraiment dans une recherche dans le champ des sciences humaines, pour essayer de comprendre quel était ce problème avec l'homme aujourd'hui. Et en fait, l'homme, ça fait 15 000 ans qu'il vit des rites de passage qui sont en fait des moments spécifiques, uniques, entre hommes, où le garçon va être mis à l'écart, il va quitter le monde de l'enfance pour entrer dans le monde des adultes. Et en fait, la manière où dans le monde entier est utilisée pour permettre aux jeunes garçons de devenir des hommes, eh bien, c'est par la bénédiction. C'est-à-dire qu'on va les confirmer dans ce qu'ils sont. Et un père, c'est ça sa fonction principale, ça va être de confirmer ses enfants dans ses qualités, d'encourager ses enfants à développer ses qualités, et ce n'est certainement pas de mettre l'accent sur ses défauts. Ça, on a tous des défauts, on a tous des fragilités, et la parole du père est performative. C'est-à-dire que si le père confirme un défaut, ben en fait, le défaut va grandir. Et par contre, si un père confirme une qualité, cette qualité va grandir. Donc, j'en appelle à la responsabilité personnelle de chacun, afin que chacun prenne sa place et permette aux gens qui lui sont confiés, ses enfants en particulier, mais ça va plus largement, hein, puisque c'est également une fonction masculine qui porte également toute son efficacité dans les environnements professionnels. Donc, de bénir, de confirmer les dons, les qualités, les talents, d'encourager à les déployer, et pour permettre aux jeunes fils ou filles ou professionnels de prendre confiance et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, mais écoutez, je vous invite à lire ce livre. Ça se lit bien apparemment, d'après les retours. Les femmes l'adorent, les hommes aussi. Mais j'ai beaucoup plus de retours de femmes, peut-être qu'elles osent plus parler que les hommes. Mais c'est un livre accessible à tous qui éclaire énormément sur à quoi sert un homme, à quoi ça sert vraiment d'être un homme. Merci.